ta facilité, ô Dieu éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Amen. Amen. Je vais passer la parole à mon frère Jimmy qui vient conduire la prière. Une sanctification. Je sais que c'est un qui est sanctifié. Je vais d'être jusqu'à la panne de pied pour qu'il te sanctifie afin que toute souillure, tout défaut, toute mentalité, toute faiblesse qui est encore à toi qui t'empêche de te donner entièrement. Je prie que le Seigneur Dieu t'apporte la grâce de te séparer de ça. Prie le Seigneur Dieu. Tant de personnes, nous te rendons avec tes yeux, merci. Merci, Père, parce qu'on connaît notre vie entièrement. Tu as juste tombé la queue derrière. Père, viens nous cacher au devant de toi. Seigneur, profond, Père, au-devant de elle, Père, de voir aux yeux, tous ceux nus et au-devant de toi. Et nous implorons, Père, de voir aux yeux ta miséricorde, ta grâce, Père, de voir aux yeux et ton pardon. Implorons, Père, de voir aux yeux une sanctification, Père, de voir intérêt et extérieur, Père, de voir de notre être entier. Oui, Seigneur Jésus Nazareth. C'est toi qui nous appelais à la sanctification. Tu nous appelais, Père, voir au Dieu. Oui, Père, à la purification, Père, voir nous être armés de l'esprit. Enfin, Père, voir que nous puissions être dignes de porter son nom. Que nous puissions être dignes d'être appelés du roi. Que nous puissions être dignes du royaume des cieux. Oui, Père, mais Seigneur Jésus Nazareth, nous avons encore des lacunes. Nous avons encore des faibles. Nous avons encore des faibles. Seigneur Jésus Nazareth. Nous savons que nous implorons, Père, voir au Dieu ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon. Nous implorons, Père, voir au Dieu. Oui, Père, voir c'est sans précieux et à couler sur la voie de votre appel, voir au Dieu. Pour nous purifier, Père, voir afin que le pardon puisse être notre pardon quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oui, Seigneur, tu es vivant, nous croyons à toi. Quand tu nous appelles à cette paix, nous croyons que tu es capable de nous rester comme tu l'es. Et nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous avons tout n'est que misé contre toi. Tout n'est que grâce devant notre paix, toi, elle est paix. Oui, Seigneur, à marcher sur tes traces, sur tes pas. Père, fais des dignes de moi. Mais nous te prions. Donne la force et la capacité, Père, de voir au Dieu. Père de toi, Père, te supplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je remets la parole à mon frère. Oh, c'est très bien. Il y a quelque chose à dire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.
vous allez bien, n'est-ce pas? Frère Josué, ça va? Ah, ça va, mon frère? Ce serait pas bien de mettre ici. Bonsoir encore, les femmes. Bonsoir, vous, d'accord? Apparemment, les gens sont en train de venir encore. Vous commencez très tard ici. C'est avec les saisons bizarres là. C'est... À moins que peut-être comme l'école a commencé là, c'est ça qui fait. Mais c'est bien quand même que vous commencez tôt. Pour qu'on commence tôt, on finit tôt. Parce que ça me dérange souvent quand il y a des choses qui sont longues à dire. Et qu'on va commencer en voyant là, 29 ans nous arriver ici. Beaucoup d'entre vous, vous habitez loin avec les agressions et là-bas, c'est pas bon. Donc si c'est possible que vous commencez tôt. Donc quand vous venez, les gens qui sont là, on commence. Et surtout les samedis. Les samedis, vous profitez pour commencer vraiment tôt. C'est pas ça, hein? J'ai quelques messages à donner aujourd'hui. Je ne sais pas si... Mais souvenez-vous, pour le Cameroun, si ça concerne le Cameroun, je vais cacher. À moins que ça ne soit des choses qui ne se concernent pas loin au sommet, mais si vous avez des questions, vous posez avant qu'ils prennent les messages que j'ai ici. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va droit là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai une annonce. Oui, une annonce. Dis-nous. Bonsoir, Assemblée. Bonsoir. C'est par rapport à la bonne nouvelle. Le Seigneur a bien enfanté ici dans le royaume du Seigneur. Il s'adonne lui à moi. Hein. Oui, moi, je ne m'a pas enseigné. J'ai la 4. Madame A. Viens donc, tu parles à l'Assemblée ou viens ici. Il dit que sa femme a accouché, mais ça doit sa maman m'a pas accouché. Viens. Bonsoir les soeurs. Voilà. Bonsoir les frères. Bonsoir. La bonne nouvelle, c'est que la dame a enfanté une fille dans le royaume du Seigneur. Quelle dame, madame, ma part? Dans le royaume du Seigneur. Tu dis qui? La dame de qui, ma part? Madame, mon épouse. Ok, ton épouse. Une fille. Redis encore que mon épouse chérie. Mon épouse chérie. Que j'aime tant. Que j'aime tant. M'a dulciné. Ouais, je comprends plus. M'a dulciné. M'a dulciné. C'est pas ta dulcinée. C'est l'os de mon os. Ah, voilà, continue encore l'autre chose, c'est quoi? Elle encore quoi? Elle a enfanté. Non, pas, nous n'allons pas vite là-bas. Ça, c'est le résultat. Elle est encore quoi pour toi? Quand tu la vois. La chair de ma chair. Continue. L'os de mon os. Encore. L'autre, c'est encore quoi? Parce que c'est quoi? On sait qu'elle a accouché. Oui. Frère. Mais flatte là d'abord. Continue. Quoi, frère, est-ce qu'elle est au milieu de nous pour que je la flatte? Donc tu aimes la flatter quand vous êtes ma deux. Je pense que c'est mieux parce que c'est l'os de mon os. Plus que le frère Junior prend déjà la. Est-ce qu'elle utilise ça à moi? Ok, donc ça dit que tu la flattes souvent quand vous êtes moi deux. Vous voyez qu'il n'est pas sérieux, non? Donc il ne flatte pas. Donc tu l'appelles souvent encore, comme on dit, nous. C'est ton petit secret. Comme ça, il peut copier chez toi, ne pas dire ça à la soeur Grâce. Ça, c'est les choses cachées. Ok, dis-nous, elle a accouché donc de quel sexe? Une fille. Pourquoi tu ne caches pas l'autre là? Vous avez fait ça à deux, non? On était là. Plus que même l'autre là est caché, je ne savais pas le sexe. Le Seigneur seul. Et d'après les hommes, même le jour, c'était plutôt le mois passé. Mm-hmm. Le mois, la fin du mois, soit le 3. Mm-hmm. Les choses ont anticipé. Bon, le Seigneur, selon le temps, les circonstances, c'est lui qui détient. D'après les hommes. Mm-hmm. Oui. C'est content. C'est bien. En tout cas, tu t'adresses à l'Assemblée, non? Que le Seigneur te bénisse. Donc dis-le dans le message à lui maintenant. De toutes les façons, ça s'est bien passé. Et de 18h à 2h. Oui. Tu dis que ça s'est bien passé, les sessions sont de fin. 18h, c'est long. pour des femmes qui connaissent vraiment cette responsabilité-là, cette charge-là, cette douleur-là. Mm-hmm. Oui. De 18h à 2h. Que le Seigneur soit glorifié, d'accord? Amen. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse la famille. Que le Seigneur te bénisse. Autre chose? Oui, j'avais oublié le nom. Sephora. Moïse. Elisabeth. Ok. Sephora. Kenju. Sephora. Elisabeth. Elisabeth. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Des questions ou bien des révélations? Quoi d'autre? Vous avez quoi? Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je prends les choses qui sont ici. Et vous rassurez que vous ne posez pas de questions quand il va commencer.
Vous ne m'attendiez plus au milieu de vous. On ne voulait pas que je vienne. Vous ne voulez pas que je vienne. Comment il demande de poser des questions? Vous ne pouvez pas poser des questions. Ou bien vous n'étiez pas préparé. Moi, je vous pose la question, vous répondez. Je pose la question, les frères. Si il y a la question, il faut poser. Est-ce que c'est la réponse là-bas? Je pose la question. Oui. Lève-toi et te pose la question. Viens ici au milieu. Viens, alors tiens-toi là-bas. Je dis, mais je n'ai pas dit que c'est à moi qu'il faut poser. Non, je pose aux frères qui sont là. Pas à toi. Oui, quelqu'un a levé les mains, quelqu'un veut lui poser une question là. C'est toi le frère Josué, tu es. Oui, frère, j'ai essayé de partager. Assieds-toi, mon frère, c'est toi qui parles. Et ça n'a pas été congolais parce que je voulais savoir, frère, si Judas est-il allé en affaire ou pas. Bon, laissons-le là où il se trouve, d'accord, de toute façon. Okay. Parce qu'il pleut là, non, dehors. Donc, laissons-le là où il se trouve. C'est une excellente question, mais laissons-le là où il est. Qui parle n'importe où, ça ne nous concerne, pas. Autre question. Il a quand même posé une question, c'est bon. Frère Jimmy, tu vois la question. Bon, il sait que c'est chacun des disciples qui ne désigne pas poser la question. Je vous désigne, je vous pose la question. Ou bien il désigne qui? Ou bien qui se présente? Qui te présente? Il lui pose une question. Il nous répond ici, puis on avance. Parce que la question a des implications. Donc, vous n'acceptez pas mes questions, vous ne voulez pas me poser des questions. J'ai une question qui me dérange. Attends, depuis que j'en ai parlé là, ça ne te dérange pas l'esprit, non, mais c'est maintenant que ça commence à te déranger l'esprit. Oui. La question c'est. J'ai souvent les oppressions quand je dors. Ça, c'est une question là-bas. Non, je veux. Non, ça, c'est pas la question là-bas. Non, je continue. Non, il n'y a pas de question de République. Oui, il y a papa Tagne ici, il y a les frères Jimmy là-bas. L'autre là, ils peuvent résoudre ça. Je fais des questions d'ordre biblique parce que toutes questions bibliques ont d'ordre biblique. Peut-être les oppressions se posent. Les oppressions viennent pour te dire que tu ne lis pas. Tu ne lis pas, lève-toi, tu dors. Non, c'est justement même quand je lis que j'ai. Quand tu as les oppressions, dans ce cas, laisse la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, on t'oppresse. On veut que tu laisses la Bible. C'est que la réponse pour qu'on t'oppresse, c'est de laisser la Bible. C'est ça, non? Et mon frère. Après, tu vois, le frère va t'aider. Des questions, Inclinons la tête, donc prions. J'espère que quand vous n'allez plus m'interrompre maintenant, tant qu'on prend ces choses-ci. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu mets au-devant de nous encore. Merci de nous avoir unis et rassemblés encore en ces lieux pour nous parler. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as toujours fait dans nos vies, pour tout ce que tu fais. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notez la date d'aujourd'hui. C'est quand? Nous sommes quand? 14 octobre. Ça, n'est-ce pas? Quand, tout ce que vous notez, surveillez. Et puis vous posez chaque fois la question. Qui parle? Et deuxième question. Pourquoi il le parle? Troisième question. Qu'est-ce qu'il attend de toi qui entend cela? Nous sommes le 14 octobre 2019, 2020, n'est-ce pas? Notez. Mais quand tu notes sur la feuille, là, la dernière fois que tu vas noter l'autre, c'est où? Non, c'est un petit ami. Tu parles. Alors, dépend de quoi? Vous avez, si vous avez les enseignements dans votre clé, ou bien vous les écoutez sur Bamba Iba, prêtez attention à la façon dont vous écoutez les prophéties. Il y a une prophétie, il va y revenir là-dessus. La prophétie là a été donnée. Il y a une soeur qui avait eu une vision. Le titre de l'enseignement sur Bambaba, c'est Dieu détruit ou c'est la destruction de l'Italie. Quelque chose comme ça, la destruction de l'Italie. Et puis, pendant qu'il était en train de prêcher, je crois que c'était avec la Belgique, j'ai parlé de la destruction des palais de Nebo. Et parlé de cela concernant toujours l'Italie. Il va y revenir maintenant pour cette eau qui entre dans les palais de Nebo et qui fait renverser ses statuettes. On va y venir maintenant. Deuxième chose, une fois, j'avais parlé de les clergés catholiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'élever au milieu des catholiques. Vous vous souvenez de cela? Qui avait suivi cela? J'avais parlé des grands
des grands théologiens catholiques vont se lever et contester les doctrines catholiques. Ils vont sortir de l'Église catholique et dénoncer. Qui se souvient? Vous ne vous souvenez pas, c'est ça, non? En Italie, en Italie, j'ai parlé de la prophétie pour le pape avec grand père, le pape avec petit père. Vous avez au moins suivi? Donc ça ne vaut pas la peine. Premier message, les animaux affamés sortent des zones appelées zoos. Notez. Ça ne vaut pas la peine que je vous pose des questions. Donc, mieux, je donne le message et puis je vais. Donc, j'avais dit qu'il y a des choses que je dois expliquer. Comme je donne souvent, j'explique parce que je vais donner le message tel que cela. Donc, premier message, écoutez bien. Les animaux affamés sortent des zones appelées zoos. Une zone où on a enclos, où on a réservé les animaux pour les animaux. Les situations arrivent dans ces pays-là, on a négligé les animaux, ils sont sortis de l'enclos. Les lions, les panthères. Vous pensez qu'est-ce qu'ils sortent pour faire? Ça, c'est une question. Voilà le premier message. Les animaux affamés sortent dans une zone appelée zoo. Donc, ça vient de la suite des négligences. Je me pose la question, pourquoi on les a enclos? Pourquoi on n'est pas laissé les animaux dans un monde naturel tel que Dieu a prévu? Mais on fait ça pour avoir de l'argent, mais on ne peut pas les nourrir. Et puis subitement, ils sortent. La question c'est, quand ils sortent là, et que je vois ces lions-ci qui sont affamés, les tigres qui sont affamés, les pumas qui sont affamés, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont dehors? Vous notez la date. Deuxième, est-ce que le Cameroun signe? Deuxième message. La pyramide des temps dans le ciel. La pyramide des temps dans le ciel. Et puis je vous dis ce que je veux. Donc après, dans le message là, rapidement, on prend. Après avoir donné le message, on va prendre la Bible, on va lire. Je vais commencer avec. On a un peu de temps. Malgré qu'il pleut là dehors, on peut trouver un peu, non? On peut trouver un peu. Ok, donc comme ça, après on prend quelques passages de la Bible, on lit. Et je vous dis ce qui arrive sur notre pays, ce qui est en train d'arriver. C'est bon, nous sommes en plein dedans maintenant. D'accord? Pyramide des temps dans le ciel et attaque sur la terre contre les serviteurs de Dieu et leurs familles. Pyramide des temps dans le ciel et attaque sur la terre contre les serviteurs de Dieu et leurs familles. Quand il dit attaque contre les serviteurs de Dieu et leurs familles, ça veut dire que les chrétiens n'en sont pas exemptés. Mais la cible principale sont les serviteurs du Seigneur. Ceux qui sont appelés à la tâche spécifique de conducteur. Ça veut dire qu'il doit avoir la recrudescence des attaques contre les familles des hommes de Dieu. Sur tous les plans. Tous les plans. Des calomnies. Des médisances. Des blocages. Des persécutions et même les pertes de vie. Mais c'est dans l'ordre des choses. Remarquez que j'ai dit pyramide des temps. Vous avez vu les pyramides qui sont à Louvre en France, ou bien la pyramide dans les films, ou bien en Égypte là. Dans le ciel, quand il parle du ciel ici, ce n'est pas le ciel de Dieu. Gardez-vous à l'esprit cela. Quand il parle dans le ciel, ça ne veut pas dire que c'est le ciel de Dieu. C'est une programmation démoniaque. C'est ce que je suis en train de dire là maintenant. Donc ce n'est pas dans le ciel de Dieu que je me trouve pour voir ceci. Ça, c'est dans le ciel où c'est Satan qui a le contrôle. Et le Seigneur a bien voulu que je voie ça pour voir ce qu'il en est de présager d'après sa chronologie à lui. De faire sur la terre. D'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc il y a une pyramide. Je voyais la tête. Cette pyramide-là avait. Vous savez, quand vous prenez le billet de dollar, il y a une coupure entre la tête, la partie en haut, un endroit où on met l'œil là-bas. Cette pyramide-là est en train de roter. Vous savez, la pyramide a des différents côtés. Si ça se met bien, tout ça est harmonique. Mais cette pyramide-là, la partie qui est comme le bouchon, n'était pas, chaque angle n'était pas droit sur son angle. C'est parce que quand vous me comprenez. La partie qui était en haut, qui était le chapeau de cette pyramide-là, c'était positionné, les bords, depuis le haut jusqu'en bas, n'étaient pas identiques. Donc, les bords étaient décalés. Vous me souvenez, n'est-ce pas? Et ça rotait comme les manches des temps. Ça veut dire que ça rotait comme ça, tchac, tchac, tchac. Donc, c'est comme si quand c'est selon la position de cette tête-ci, de ce que je décrit là, selon la position qu'il y a,
il y a un style d'attaque démoniaque sur la terre. Vous me suivez? Et on était à la dernière phase où, lorsque ça fait une petite rotation, c'est en place normalement. Comme si vous voyez, vous allez voir comme c'était une seule pyramide sans qu'il y ait des décalages. Je ne sais pas si vous avez compris la description. C'est-à-dire que si on roule la tête là comme ça, chaque partie de la pyramide, des bases là, sont droits. Donc on était à une dernière phase où, si il fait pas, chaque chose est maintenant automatiquement à leur place. La dernière phase, les attaques contre les chrétiens. Donc, c'est ce que je viens de dire, la pyramide des temps dans le ciel. Cette pyramide des temps, c'est indiqué une farouche attaque. Une farouche attaque contre le serviteur du Seigneur. C'est tout ce que je peux dire concernant la vision. J'ai dit qu'il ne donne plus les détails, parce qu'avec les détails, il y a des choses qui se passent de l'autre côté. Ça, c'est la deuxième et la troisième. Ici, j'ai 4, ici, quoi qu'il va tout donner, ça, tout donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, il importe, je vais donner 4 aujourd'hui. Troisième nom, non, c'est attaque tribale et meurtre des Bamileke à Yaoundé. Notez. C'est le quantième message. Troisième message. Attaque tribale et meurtre des Bamileke à Yaoundé. Dès que j'écris, je me tenais là-bas, j'ai vu la scène se dérouler. Quel est le but que je donne ce message ici? C'est pour qu'on prie. Que cet esprit est dans un des messages qui tendait de parler ici par rapport aux élections présidentielles. J'avais dit qu'il y a une autre élection présidentielle qui tremble au devant de nous. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? J'ai dit qu'il y a une autre élection présidentielle qui est dans notre vie. Et qu'à l'approche de cette élection présidentielle-ci, la prière qu'on a faite dans la première, que Seigneur ferme le cœur du peuple au cri de la révolte, et même cette prière-ci n'aura pas d'effet. J'avais dit ça, non? Maintenant, il dit. Attaque tribale et meurtre des Bamileke à Yaoundé. C'est-à-dire que la montée de ces choses, vous entendez, vous remarquez qu'on a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un. Mais en toile de fond, on ne voit pas encore la chose pointer à l'horizon jusqu'à ce qu'on regarde la tribu où appartiennent les gens qui sont décédés. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est commandité. Vous me suivez? Donc, priez contre cette chose-ci. On est tous dans un même pays, qu'il n'y ait pas de cet esprit sur les gens, les tuer, parce que ça peut engendrer quelque chose. On ne peut pas faire. Là où on se retrouve sur la terre maintenant, là, regardez bien, ce n'est pas une affaire du Cameroun seul. Personne sur cette terre-ci ne peut dire clairement que voici son lieu où il appartient. Personne. Aucun être humain sur la terre. C'est-à-dire qu'un Américain, tu le vois en Amérique, il ne peut pas dire qu'il est Américain, parce qu'à l'origine, il doit être de l'Haïti. À l'origine, il doit être du Gabon. Vous me suivez ça? C'est pas ce que vous me comprenez. Donc, vous dites comme ça, tu dis que tu es... Je suis Camerounais, natif des Bebda. Et Bebda, on suit ton sang. On voit que tu sors peut-être du Congo, Kinshasa, là où sont là-bas. Bon, finalement, chez toi, c'est où? Et si on prend maintenant jusqu'au sang du dernier, là, on dit, ok, on veut faire de la recherche. Donc, on voit que celui-ci était sorti de Papouasie, Nouvelle-Zélande. Finalement, ta preuve, c'est où? Donc, en réalité, la terre appartient à Dieu. Tous les êtres humains sont en pèlerinage. Tous les êtres humains. Donc personne n'est autochtone normalement. Si vous voulez demander clairement à quelqu'un, il faut poser la question à Dieu. Où est-ce que tu m'as mis? Donc quand les hommes entrent avec la politique, on essaie de mettre les choses comme ça, telles que la démocratie, ou bien ce que vous appelez, et qu'on dit que moi je suis Camerounais, toi tu es de l'Ouest, tu es de Sud, tu es de ceci, ceci. Ça, c'est pour diviser. Vous me suivez, frère? Attaque et meurtre contre les Bamileke dans la ville de Yaoundé. Autre message. L'autre message, c'est terrible parce que je ne sais pas comment vous allez considérer ça. Mais si vous considérez n'importe comment, mon rôle, c'est seulement de parler ce que j'ai vu. Le rôle de celui qui a montré est de l'accomplir ou bien de faire n'importe quoi de quoi il est question. C'est pour ça que je ne me pose pas de questions pour voir si c'est faux ou pas. Je ne pose pas de questions. Quand je sais qui a montré, point, le problème est réglé. Découverte d'une maladie se cachant derrière les chromosomes.
découverte d'une maladie qui se cachait derrière les chromosomes. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant ou c'est suivant, mais je crois que ça ne doit pas être lointain maintenant. Il y a un style de maladie, parce que j'ai regardé dans Antoine, vous allez écrire. Comment on prend? Le chromosome, c'est quoi faire? Chromosome. Bon, c'est très bien. Tu es exactement devant la personne identique à appeler. Le serviteur, Papa Tani, c'est celui qui enseigne les chromosomes. Le chromosome. Batani, est-ce que tu peux dire à l'assemblée, je m'excuse, si quand il a donné les chromosomes, c'est ce que j'ai vu, parce que je les ai vus dessiner en bâton là-bas. Je n'ai pas eu le temps de vouloir. Il me dit que c'était accessible à tout le monde. Donc, Batani, s'il te plaît, daigne dire aux gens ce que c'est que les chromosomes, pour qu'on puisse, que je puisse avancer. En langage, c'est un sache qu'il y a des mamans parmi nous. Il fallait vous bonsoir, le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je veux dire des chromosomes, c'est le plus simplement possible. Bon, pour identifier un individu, par exemple, on dit d'établir la carte d'identité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous avez votre carte d'identité, on prend la carte d'identité, on la lit, on va dire il est telle personne. On donne les renseignements sur un individu. On est d'accord? C'est au moins ce que la carte d'identité chacun. Il y a quand même des grandes personnes, nous avons tous la carte d'identité, n'est-ce pas? Donc la carte d'identité d'un individu permet de l'identifier. Si vous allez n'importe où, quelqu'un recueille votre carte d'identité, il saura que c'est telle personne, il s'appelle telle, il a telle taille, il a ceci, il a cela. Dans la construction d'un être vivant, les chromosomes constituent la carte d'identité. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes aujourd'hui là, peut se lire simplement sur le chromosome. Toutes les informations pour fabriquer l'individu qui vous concerne sur le chromosome. Si je veux dire simplement. Merci beaucoup. Tu as suivi, frère. Alors, c'est ta carte d'identité. Tu prends, comme tu mets dans la poche à pli, là, c'est ton visage n'est pas identifiable. C'est que tu as un problème de maladie, de carte d'identité. Oui, le chromosome, là, c'est dans le corps humain. Oui. Disons simplement, c'est dans le corps. Okay. C'est invisible. Ah, c'est invisible. Le corps. C'est invisible, oui. Le microcosme. Non, c'est comme une cellule. Pas comme une cellule. Oui, voilà. Au moins, si tu vois la cellule, pas déjà d'une cellule, ça peut donner d'être. Mais non, enseignez pas, t'arriver ici. Que ça donne le goût. Écoutez, attends, pas t'arriver. Ça donne le goût à pas t'arriver. Vous voyez comment il a fait la main. Je comprends qu'il est dans sa matière. Oui, non, je veux dire que, parce que tout à l'heure, je t'ai dit de donner simplement. Mm-hmm. Mais si on est à ce qu'on appelle cellule, une cellule a arrêté trois parties à peu près, hein, c'est-à-dire une membrane, un noyau et puis un cytoplasme. Je suppose qu'il connaît la cellule. Donc je parle de parce qu'on a la cellule. Dans le noyau, donc dit le noyau cellulaire, il y a les chromosomes. Donc ils habitent là-bas. Et tout ce que tu as dit de la membrane, là, on ne voit pas ça à l'œil nu. Ils sont dans les chromosomes, dans le noyau cellulaire. Et ça peut se voir effectivement qu'au microscope. Voilà. Là, je pose il reste avec toi parce qu'à cause de ces messages, c'est qu'il y a des quand une maladie est de l'ordre chromosomique, quelle est la difficulté? Comment on fait? Alors, la difficulté, c'est qu'elle ne va pas se soigner. Parce que même si tu détruis la première cellule, les autres cellules vont se multiplier avec la même information. Parce que l'information pour fabriquer l'individu se trouve dans la cellule, voilà. C'est sur le chromosome. Voilà. Donc même si on détruit la maladie déjà visible, la branche visible, ça va toujours reconstituer puisque c'est déjà là. Donc pour soigner, il faut traiter au niveau de la multiplication des chromosomes. Et si c'est facile? Là, c'est très compliqué. Voilà. C'est comme les terroristes. Dans les malades. Donc, il dit que c'est la maladie des terroristes. C'est comme les terroristes. Donc, je dis ceci parce que j'étais à l'intérieur du corps. Donc, Dieu m'a fait entrer dans le corps humain. Étant de l'énergie. C'est pour ça qu'il dit que si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Je dis ce que j'ai vécu. Dieu m'a entré dans un corps humain. Vous savez, quand vous restez comme ça, justement, quand vous restez, vous remarquez combien il y a la lumière ici. Il y a mon ombre là. Dieu m'a fait voir justement ce que cette maladie s'est cachée dans l'ombre du chromosome. Et les scientifiques cherchent quelle est la cause depuis dont l'heure est arrivée dans le plan de Dieu de leur permettre de découvrir cela. Amen. Donc quelqu'un va découvrir quelque chose qui va permettre de dire, ouh, c'était derrière le chromosome si. J'ai vu le chromosome se tenir debout comme ça. Et puis j'étais à l'intérieur du corps, Europe, vous savez le chromosome. Et puis le Saint-Esprit m'a décalé. J'ai vu l'ombre de ces chromosomes se refléter dans le corps. Et puis j'ai dit, le Saint-Esprit dit, voici la maladie. L'heure est arrivée de découvrir. Tu as compris, frère? Donc,
découverte d'une maladie, c'est cachant, c'est pour ça qu'elle dit, c'est cachant derrière les chromosomes. Ça arrive. Maintenant, quand ils vont découvrir, ils ne vont pas dire, ils ne vont pas savoir que c'est Dieu qui a fait. On va donner le prix Nobel de la médecine à quelqu'un. Il va prendre la gloire de qui? De Dieu. Dieu ne dit absolument rien. Mais il les attend au tournant. Alors, donc, il y a une maladie, parce que dans cette vision-là, j'ai vu le papa de l'enfant. J'ai vu la maman de l'enfant. C'est une représentation que Dieu a montrée. J'ai vu la maman de l'enfant. Il y avait cette maladie-ci. Mais c'est comme si une des personnes avait cette maladie. Et on cherchait ça dans le cas de cet enfant-ci. On fuyait, ça ne trouvait pas. Mais il y avait les symptômes de cette maladie-ci sans que la maladie ne soit présente dans son corps. Il cherchait où est-ce que ça se trouve. Et puis le Saint-Esprit m'a fait, c'est dans le corps de l'enfant que je suis entré. Je suis entré à l'intérieur. Et puis le Seigneur m'a amené dans un coin. J'ai vu son chromosome, un des chromosomes debout comme ça, comme un L. Comme ça, avec ses pieds, il était debout. Le chromosome, comme un être humain, il était debout comme ça. Et puis j'ai vu son ombre se projeter à côté. Son ombre était gris. Gris. Il a dit, voilà donc la maladie. Donc, si cette maladie, c'est quand ça sera détecté, on va savoir maintenant comment l'extraire de là, sans que ça se multiplie, comme il a dit. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ce n'est pas comme ça, vous allez faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on fait le vaccin, on met le poison dans le corps, on met le poison dans le corps. Si le Seigneur ne révèle pas, il a le temps, il fait n'importe quoi. Il y a des temps sur la terre où il permet que certaines choses soient découvertes pour sa gloire. Ça arrive sur la terre au moment donné où il va changer le sang des gens. On te dit que tu es groupe A. Tu pars à l'hôpital parce que tu as un problème. On te fait encore une autre tour. Ils disent non, c'est notre appareil qui avait faussé. Alors que l'appareil n'était pas faux. Et tu es vraiment du groupe A, tu as un problème sur le sang. Dieu dit, faisons toute une chose nouvelle. Et de même, ou c'est B plus, ou c'est B quoi, ou c'est O quoi, ou c'est Z quoi, ou c'est quoi. Et même, ils vont découvrir encore une nouvelle marque de sang. Ouais. Vous connaissez quoi? Il y a quel groupe, papa? Papa, t'as le groupe sanguin. Oui, le groupe A, oui. Le groupe B, oui. Le groupe AB. Oui. Maintenant, ça peut se combiner. Se avec les résus. Voilà. Écoute, et même, un nouveau groupe de sang A arrive. Notez, il y avait la date, le 14 octobre 2020. Vous dites, qu'est-ce? C'est censé sortir d'où? Depuis le facteur, tel a dit ceci, bon a dit ceci. Ça, c'est ce qu'il a dit. Le Créateur, le Rédempteur, il connaît sa créature. Voilà. Je me sens bien là maintenant. Vous savez, quand le message vient comme ça, je suis à l'aise. Il y a seulement le message tel que les meurtres chez les Bamileke ou là-bas. Le truc de Cameroun, c'est ce qui me dérange. En dehors de cela, tous les autres là, c'est des choses glorieuses qui sont arrivées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, on a combien de messages ce soir? 4 messages.